Boris! Tous à la poubelle. Salut Boris! Et oh les jouets, c'est mon lit, je vous signale. Et hop, hop, hop. Aucun sens de l'humour. C'est un gros égoïste, espèce de petit bébé. Petit Boris. Petit, petit. C'est ça, c'est ça. Allez, dormez bien. Ah, enfin tranquille. Ah oui, tout petit même. Waouh! Un bon bec géant! Je vais voir, il y a un petit Minus qui lèche un bonbon aussi gros que lui. Eh, hey, mais c'est Boris! Il a tout rapetissé. Mini Boris! Tu veux jouer avec nous? Ben, en fait, j'ai plein de trucs à faire. Salut! Reviens, Minus, tu ne peux pas nous échapper! Zut, il a filé sous la porte! C'est pas grave, on va le choper dans la cour. Pas la peine de te cacher, Boris. Je sais où tu es. Ah, le petit sauvageon. Attrapé. Aïe, 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 aïe. Alors, Boris, ça fait quoi d'être le jouet de tes jouets? Ça fait mal aux fesses. Ah, tu vois, la vie de jouet, c'est pas toujours rigolo. Et encore, imagine si on te bottait les fesses tous les jours. Ou si on t'entortillait comme un Scooby-Doo, hein? Ou si on te cabossait comme une boîte de conserve. Et si on te jetait à la poubelle maintenant? Non, pas la poubelle! Non! Oulala, là là, quel drôle de rêve. Aïe, aïe, aïe. Le voilà. Bon, j'ai quelque chose de très important à vous dire, les jouets. Quoi encore? Tu vas nous mettre dans un sac? Mais non. À partir de maintenant, vous serez gentil, doux et attentionné. Et je ne vous mettrai plus jamais dans une poubelle. Ça, c'est chouette. Ben oui, je fais attention aux autres, moi. Je ne suis plus un bébé. Qu'est-ce qu'il est gentil ce matin? Beaucoup trop gentil, il doit être vraiment malade. Je ressens une certaine inquiétude, les amis. Bonne nouvelle, les petits potes. Quoi? Boris est guéri. Oui, on est redevenu ses jouets. Attention, le voilà.